ces ruines. Période Kamakura. Tout ça faisait partie du Yamatai. Ça devait appartenir à un marine américain. Est-ce que cette île a été occupée? Est-ce que ces marques représentaient des amis perdus ou des ennemis tués? Dans les deux cas, c'est trop pour un seul homme. Après deux semaines d'attente, j'ai enfin obtenu audience auprès de Sa Majesté Himiko, reine du Yamatai. Je n'avais jamais rencontré une telle femme. Belle, énigmatique, calculatrice. Elle vit parmi les prêtresses du soleil. Aucun homme ne l'accompagne, à l'exception du général de son armée. Quand je l'ai rencontrée en tête à tête, j'ai réalisé à quel point elle était différente de ce que j'imaginais. Mon maître m'a chargé de l'espionner, d'évaluer la puissance de son armée. Mais je sens que c'est elle qui me jauge. Mon maître a peut-être sous-estimé la menace du Yamatai. Il est difficile d'évaluer la véritable puissance des gardes-tempêtes. Mais j'ai le sentiment que la reine solaire ne doit pas être prise à la légère. Le sac est là-dedans.
Je veux juste récupérer le sac. C'est tout. Je vais te remettre sur pied. C'est pas mal. Où est-ce qu'une jeune fille comme toi a appris à faire des bandages? J'ai pas mal bossé comme serveuse de nuit. Les bagarres, ça finit souvent comme ça. Hé, hey, tu
Tu l'as retrouvé. Bien joué. Alors, il va falloir la porter en haut de la tour radio, c'est ça ? C'est le meilleur moyen de diffuser un signal puissant dans toutes les directions. Écoute, Lara, il faut qu'on envoie ce SOS. Mais je ne suis pas en état de grimper. J'avais peur que tu me dises un truc comme ça. Tu peux le faire, Lara. Après tout, tu es une Croft. Mais je ne suis pas ce genre de Croft. Bien sûr que si. Mais tu ne le sais pas encore. J'espère pour nous que tu as raison. Mais... sois prudente, Lara. Tu devrais peut-être essayer ton piolet sur cette paroi rocheuse, là-bas.